On est à plus de 1 800 $ l'once, l'or est assez plus haut et voilà, on se dit, bah tiens, quels sont les meilleurs placements, les meilleurs fonds justement pour investir sur le métal jaune? On voit ça avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Journaliste à Patrimoine 24, on est déjà à 20% de hausse depuis le début de l'année pour Ah l'or. ouais. Et là on se dit, ma foi, est-ce que c'est pas trop tard, hein? Bah, c'est vrai, vous posez une bonne question, les chiffres parlent d'eux-mêmes, à plus de 1 800 $. On n'est pas loin d'un plus haut à 10 ans qui était à 1 900 $. Alors les explications, elles sont classiques, l'or valeur refuge, les incertitudes géopolitiques, le marché obligataire qui est un petit peu complexe, sur les marchés actions, c'est pas beaucoup mieux, la demande des ETP, ces fonds indiciels qui jouent les matières premières, tout ça milite sur une hausse du métal jaune. Alors, vous l'avez dit, 20% depuis le début de l'année, mais ça ne touche pas que l'or, ça touche de façon générale tous les métaux précieux, ça touche le palladium, ça touche l'argent. L'argent, c'est plus 26% sur 3 mois, on est à 20 $. Alors, est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop tard pour jouer l'or à ces niveaux-là, avec un plus haut, on est quasiment en train de toucher un plus haut à 10 ans, oui, la question se pose, mais il y a d'autres véhicules que l'or physique. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est de se dire quelles sont les stratégies. Qu'est-ce qu'on peut avoir alors, comme outil pour justement miser sur l'or? Il y a l'or physique. L'or physique, c'est sympathique, mais se pose alors une question qui est la détention. La détention. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous mettez ça sous votre matelas, dans un coffre, etc. Après, il y a des véhicules comme les ETC qui sont des équivalents d'ETF, mais sur les commodities. Pour un exemple concret, vous avez le Lyxor GBS. C'est le Gold Bullion qui a fait plus de 16% depuis le début de l'année, 26% sur un an. Et puis, à côté de ces véhicules qui collent un peu au cours de l'or, hein, on rappelle qu'il n'y a pas de cours officiel de l'or, hein, vous avez ce qu'on appelle les fonds orifères. Là, on va investir... Sur les actions de mine d'or. Exactement. Hein, donc là, on n'est pas sur de l'or physique, on est sur des valeurs mobilières. C'est une approche qui est complètement différente. Et il y a un deuxième intérêt, au-delà de ne pas investir sur de l'or physique, c'est qu'on va avoir dans ces fonds des valeurs orifères, donc des mines d'or, mais on va aussi avoir d'autres valeurs liées aux métaux précieux. Des spécialistes de l'argent, des spécialistes du palladium, des métaux rares. Alors, bien sûr, souvent, c'est l'or qui prédomine, mais pas que. Et ces fonds métaux précieux, year to date, depuis le début de l'année, font en moyenne 25-26% et 27% sur 3 mois. Bon, et quels sont les fonds, justement? Quels sont les fonds pour alors, diversifier les risques et avoir cette exposition sur l'or de manière indirecte, pour le coup, hein? Écoutez, j'en ai retenu deux qui me semblent, moi, particulièrement emblématiques de ce qu'on trouve sur le marché. Alors, sur le marché français, vous avez une offre qui est assez diversifiée. Il y a une vingtaine de fonds qui jouent le secteur orifère sur le marché français. Alors, un premier exemple, le Baker Steel Gold Fund, c'est un des meilleurs calls, c'est une des meilleures offres sur le long terme. C'est un des fonds qui a le plus long, le plus ancien track record historique de performance. Quelques chiffres, sur 5 ans, c'est 27% par an, sur 5 ans, donc c'est très attractif. Investi dans des actions, encore une fois, orifères, de mines d'or. Absolument, de mines d'or. Donc 27% par an sur 5 ans, c'est très attractif. Il faut quand même garder à l'esprit qu'on a de la volatilité. Alors, ça se traduit concrètement par des années fastes et puis des années beaucoup moins luxuriantes. En 2016, le fonds a fait plus 90%. En revanche, en 2018, il a fait -6,50%. Donc ça, c'est de la volatilité. L'asymétrie, Frédéric, est dans le bon sens, là, pour le coup. Oui, absolument, vous avez raison. L'asymétrie est dans le bon sens. Il peut y avoir des années où c'est pas dans le même sens. Et puis, un deuxième exemple, alors... Là, c'est intéressant, où il y a moins de volatilité, le BlackRock World Gold. BlackRock, on connaît, c'est une maison américaine. Il ne fait que, je dis que, entre guillemets, il ne fait que 29% depuis le début de l'année. Sur 5 ans, c'est 13,50% par an sur 5 ans. Et l'intérêt de ce fonds, c'est qu'il est quand même beaucoup moins volatile que son homologue qu'on vient d'évoquer, le Baker Steel Gold Fund. Il est moins volatile et cette moindre volatilité... Elle est sans doute liée à la façon dont travaille le gérant. Quand on regarde ce qu'il a en portefeuille, alors bien sûr, il a des valeurs canadiennes. Hein, on sait, le Canada est une terre pour les valeurs orifères. Mais pas que, il n'y a pas que de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, bien sûr, mais aussi Europe émergente, Afrique, bien sûr, mais aussi Australasie. Donc, il y a une bonne diversification
géographique qui explique sans doute que ce fonds soit moins volatile que certains de ses homologues. Bon, dernier petit conseil pour la route, Frédéric, et pour celles et ceux qui veulent vraiment avoir de l'or en portefeuille, qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, attention, il faut garder la tête froide. Ça reste un actif de diversification, et puis ça reste surtout un actif qui est très corrélé à l'évolution du dollar. Donc, il y a un effet. Certains disent de moins en moins. Parce que oui, c'est perçu comme un actif à part entière. À part entière. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est perçu comme un actif à part entière, mais ça reste dépendant de l'évolution du dollar. Et puis, la réalité, c'est que l'or ne s'apprécie jamais autant que quand on assiste à un flight to quality, c'est-à-dire quand les opérateurs, les particuliers, sont inquiets de ce qui se passe soit au niveau macroéconomique, soit sur les marchés actions, soit sur les marchés obligataires. Donc, oui, c'est un actif à part entière, mais on n'est pas dans la situation indienne où là, pour le coup, en Inde, il y a une culture de l'or, on thésaurise, on achète de l'or pour le porter, pour l'offrir. En France, en Europe, de façon générale, quand on achète de l'or, c'est un support de placement financier. Et la réalité, c'est que ça n'évolue pas indépendamment des autres classes d'actifs. Donc, mon conseil, c'est un actif de diversification. Ça ne peut pas être considéré comme une assurance vie. Évidemment, c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup, en tout cas. Oui. Frédéric Lorenzini, donc journaliste à Patrimoine 24. Passez un bel été. On se voit à la rentrée. À bientôt, David. Bye.